Bonjour, c'est Gadu et bienvenue sur Gadu Gaming pour l'épisode 5 du jeu de boules Rock of Age. On était à L'Aquila, que j'avais pas commencé encore, évidemment. J'avais terminé 30 de manière magnifique, 3 clés, magnifique. On passe à L'Aquila, c'est parti, go! Épisode 5, hein, je rappelle toujours en 60 Hz. Et ça me demande beaucoup de temps à coder, hein, mais ok, Jean 2006. Ok, Monopoly, c'est parti. Alors, je ne savais pas qu'il était à la prison. Ok, d'accord. Alors, je rappelle un genre de Médicis qui a dû être un voleur, un arnaqueur. Et donc, Mortal Kombat, c'est parti. L'Aquila. Ah, on a, vous avez vu une nouvelle option. Nouvelle unité, c'est quoi ça? Faut gagner de l'argent jusqu'à l'épuisement ou la destruction de la mine. On va le tenter, vous savez quoi? On va le tenter, on va le mettre. Alors, attendez, je vais le mettre à la maison déjà. S'ils le mettent bien quelque part, pas être trop emmerdé. Ah, vous avez vu? Ouais, bah écoutez, on va faire le test. Pour vous, là, je vais le faire. Je vais mettre assez caché, et puis je vais mettre des protections devant. Je vais garder 1000, encore une fois, hein, je vous rappelle, le but étant d'avoir la boule, directement la super boule, là, en feu. 160, voilà, nickel, 1000, voilà, parfait. C'est parti, on attend que la boule se prépare, et KO! C'est parti, 1000, zou! Alors la stratégie, hein, je vous rappelle, ceux qui ont envie de m'en parler dans les commentaires, n'hésitez pas. Moi je commence toujours par les boules les plus puissantes, parce que quand elles shootent, ça fait très mal. Et voilà, donc du coup j'ai envie de shooter très fort, tout simplement. Oula, c'est assez tendu dans le coin en fait. Hein. Vous l'avez vu? Donc là en fait les âges, il n'y a pas de... Je pensais qu'il y aurait eu un ordre, il n'y en a pas. Oula, une descente là de folie là, avec la porte au bout, je pense. Avec un taureau, pardon, un taureau en plein milieu. On va essayer d'éviter, bien évidemment. Oh la vache! Oh la vitesse! Alors là, si je touche sa porte à cette vitesse, je pense que là, il va pleurer, il va faire one shot, hein, le truc. Hein. Pas tant que ça. Hein. Bon, visiblement, les portes sont très résistantes. Hein. Donc, on retrouve avec 2400. Pour l'instant, ça mine, hein, je pense, que les mecs minent. Hein. Enfin, j'espère. Du coup, on va renforcer. L'adversaire roule, d'accord. Alors, je sais pas où c'est qu'il est, mais on va essayer de renforcer ceux-là. J'ai pas besoin de plus d'argent parce que clairement j'en ai... Oh la vache, d'accord, il est parti comme une fusée, vous l'avez vu. On va essayer de le mettre... j'ai pris pas trop cher. On va essayer de faire ça. Les moins 700, c'est bon. Voilà. Donc là il devrait arriver comme une fusée, mais il va se prendre des balles, il va ralentir vachement et donc du coup l'impact devrait être un peu moins fort. Sachant qu'il peut accélérer après. Mais enfin bon, j'ai envie de vous dire, c'est toujours ça. On refait la même, avec une boule renforcée et on est bien. C'est parti, go. Je pense qu'il faudra quand même 3 boules. Alors ceux qui arrivent à finir le jeu, enfin la partie en 2 boules, GG à vous. Je vais bien voir des vidéos pour ça, parce que je n'ai pas vu. Mais voilà, c'est toujours. Oh, une clé! Une clé, attendez. Une clé quand même au passage. Parce que je vous rappelle, il faut choper les clés aussi. Hein. Parce qu'après, je vais être emmerdé. Pardon, j'ai le hockey. Alors on va essayer de voir comment ça se présente pour choper une autre clé si on peut. Hein. Il y a beaucoup de monde. Essayer de sauter par-dessus. Là, il y a de la vitesse et c'est génial. Je kiffe. Vraiment, beaucoup de vitesse même. Wow, vous avez vu le jet? What the fuck? Fucking taureau de merde. Qui m'attaque que moi, hein. Ouais, je pense qu'on a chacun un taureau en fait. Mais bon. Une clé derrière lui. Une clé derrière lui, j'essaie de choper. Voilà, comme ça c'est gagné. Et maintenant on prend de la vitesse et on va shooter. Alors il a mis des bombes partout, mais pour le coup c'est un peu inefficace face à moi. Voilà, beaucoup de vitesse. Pas de free kill, vous avez vu. Et bam! Voilà, donc là il a pris sa chair, la musique s'accélère, c'est bon pour moi, c'est très bon pour moi. Je vais continuer à renforcer, hein, parce que pour le coup... Alors le taureau l'a éjecté aussi, vous l'avez vu, je vais mettre des trucs comme ça ici. On va se mettre une rangée, histoire de limiter la casse, et puis une deuxième rangée derrière. Qu'on va peut-être inverser en faisant ceci. Il me reste encore des sous, alors soyons fous. Ah, trop d'unités de ce type, d'accord. Il y a une limite aussi. On va mettre des souffleurs, alors écoutez, histoire de ralentir. Ici. Un ici. Et un ici. C'est pas mal. Bon, il est déjà passé, mais c'est pas grave. Je l'ai pas vu passer. Ah, mais si, il a roulé tout à droite, là, il a tout pété. J'ai pas vu. Bon, en tout cas, je suis prêt, c'est parti, go. Donc là, on va essayer de terminer le niveau, vu que j'ai de l'avance. Et vu qu'il est plutôt mal, il y a une chance. Faut pas que je me fasse déchirer par le taureau et tout ça, mais enfin bon, par ça, ça va.
Par contre, l'autre clé, je sais pas du tout où elle est. Hein. J'ai perdu une clé. Si on peut choper la troisième, ça peut être cool. On regarde bien à droite à gauche. Peut-être que j'ai déjà passé. Alors, la clé que le taureau, je l'ai eu. Là, il y a beaucoup maintenant de saloperies là. Ah, j'en ai friquillé en passage, vous avez entendu? Voilà, donc, alors, on va doucement ici. Hein. Donc là, friquille sur friquille. On va essayer de passer à gauche. Voilà, sans qu'il me voit. Donc là, là, je suis parfait. Vous avez vu la vitesse? Ça, c'est bon, ça, c'est jouissif. Il y avait une vache là. Oh la vache! C'est quoi le truc au fond qu'il a mis là? Ça là. Il a fait comme moi, pour me ralentir un max. Friquille, tiens, friquille. Allez, on espère, on y croit. C'est la fin. Go! Ouais, yes! Par ici! Médicis là, je sais plus quoi, Jean de Médicis. Oui, danse comme un con, danse comme un con et friquille! Voilà. Ça va, je m'en sors. Alors, on avance. Rome, la bataille de Rome, et ben c'est parti, hein, on y va. On y va franco. Hein. Il y a beaucoup de niveaux dans le jeu, j'aime bien. Un accès anticipé qui n'est pas terminé. Je vous laisse ça. C'est n'importe quoi, j'adore ça. Oh, oh le pape. Ah, c'est pas un pape. Vas-y, c'est un pape. C'est qui? Jules II, d'accord, je connaissais pas. Le pape terrible. Ok, donc c'est bien un pape. Aussi connu comme le pape guerrier. Oui, c'est vrai qu'il y a une époque, hein, la religion, c'était aussi des militaires. Bref. Oula. Oh, c'est compliqué. Alors, pour choper des clés, là, on va se marrer. Nouvelle unité, ça, je le sais déjà, ne m'en parle pas. Je reviens vite fait à ma maison, qui est là. Bien évidemment, ce qu'on va faire comme d'habitude, on met des renforts devant. Voilà, des belles rangées, là, comme ça, là. On va faire même... attendez, 160... je peux en mettre que 3, si je voulais... Pour avoir la boule. Ah, voilà, on fait ça comme ça, écoutez. Des trucs avant, peut-être. Sans changer. Voilà, très bien. Et je garde 1000 pour la boule en feu. Ça va, le jeu s'accélère au fur et à mesure qu'on avance. Vous avez vu, plus en plus d'argent. Bon, j'aurais dû mettre une... peut-être une mine. Une mine. Ça aurait été sympa. Alors, où sont les clés? Déjà, on regarde les clés, je pense qu'elles sont aux extrêmes bords. Il y a une clé au milieu, là, je la vois. On va essayer de la choper. D'accord, il y a deux clés, même. Il y en a une ici et une derrière. Alors, on va le faire à chaque fois. Une clé en plein milieu. Oh là, il y a un canon en plein milieu. On va essayer d'en faire une à chaque fois, hein. Écoutez, hein, c'est le but. Voilà, maximum de vitesse. Les virages, on les prend serrés pour éviter de se casser la gueule. Je ralentis un petit peu, je suis bien. Je suis parfait. On va shooter en plein milieu. Comme ça. Voilà, la moitié de la porte, directement. Parfait. Une mine, ça vaut pas le coup, écoutez, on va oublier la mine. Oh là! Ah d'accord! Il y en a des plus puissantes. Bah on va en mettre. Alors, il m'a tout défoncé là, ce connard là. On va en mettre. Ah d'accord, ok, ça prend assez large. On va en mettre 3. Des catapultes normales, on va en mettre donc une. Je peux plus en mettre d'autres après. Voilà, c'est réglé. On va mettre un toral, histoire de. J'ai envie de mettre un toral. Voilà. Parce que je vous rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents, c'est un taureau des taurales. Ou un taural des taureaux. Bref, comme vous voulez, on s'en fout. J'ai une connerie en plus. Sur ma connerie. Bref, je suis con. Désolé, hein. Je suis excité par ce jeu. On va essayer de prendre les clés encore une fois, c'est important. Quitte à perdre, au moins que j'ai les clés, comme ça la prochaine fois je ne m'embêterai pas. Il y a une clé devant le canon, on va essayer de la choper, si je meurs pas. Voilà. Ah la vache! Je l'ai. J'ai presque eu. Non. Non. Ah c'est bon. Enfin, je l'ai eu quand même. Et ma boule a perdu sa protection, mais c'est pas grave. Voilà. On va au bord. Ah, il a renforcé son truc, mais on passe à gauche. Ça, c'est stylé. Voilà, c'est raté, les gars. Et bam! Donc là, il a pris très très cher. Je pense qu'il meurt au prochain coup. Hein. Et c'est ce que je voulais. On va essayer de mettre des petits tonneaux là pour les calmer l'autre con là. Enfin l'autre con. Bah il passe à travers, hein, vous avez vu. Hein. On met des tonneaux. Voilà. Le reste. Catapulte. Catapulte à fond. Là je peux plus en mettre. On va en mettre des comme ça. Voilà. Là du coup on est bien. Et c'est parti pour la boule finale. Alors vous avez vu, il est comme moi. Hein. Sauf que j'ai de l'avance au niveau des boules. Est-ce que j'ai eu toutes les boules? Il me reste les clés, pardon. Il me reste une clé, je crois, à gauche sur le chemin.
On va les vérifier, bien évidemment. Voilà. Et on essaie de le terminer maintenant. De gagner ce combat contre le pape. Un combat contre le pape. Donc là, on va essayer de passer à droite, puis à gauche après. Si l'autre con ne m'embête pas, on va faire un peu un truc de fifou. Oh la vache! Il y a un truc qui m'a poussé. Ah, il y avait du vent. Ils ont mis du vent, ces enfoirés là. Ah, la clé est devant moi, donc c'est pas grave. Donc lui, il a démarré. Alors par contre, s'il ne traîne pas, il peut démarrer, il peut m'avoir avant que je l'ai. Et ça, ce serait plus embêtant. Ah, il y arrive. Mais j'y suis avant lui, voilà. Et boum! Voilà. Donc j'ai gagné. Oui, mon papounet, tu vas prendre cher. Tu vas te faire friki, là, et hop là. Pff. Voilà, ça j'aime bien. Ça, j'enchaîne hyper bien. J'ai un succès effronté. J'ai pas vu les succès hein, tout le long, je viens de le voir là, donc voilà. Donc les trois clés encore, et là il me faut Florence. C'est quoi là, le truc qui est là, là 10 clés, là, c'est quoi ça? 16 clés il faut? J'en ai combien? 18? Je pense que je suis déjà bon. Ou c'est 18 qu'on voit peut-être. Bref, on s'en fout, on démarre bataille. La bataille. Comme je vais assez vite, c'est possible que le jeu ne dure pas si longtemps que ça. Ok. Alors ça, ce sont les Léonard de Vinci. D'accord. Référence à Matrix, hein, l'architecte, bien évidemment. Leonardo da Vinci. L'architecte. Voilà, je vous l'avais dit. Sei tu conscio del fatto che ciò che ti circonda non è reale. Siamo un mero simulacro illusorio, prodotto in una dimensione ben più vasta e a noi aliena. Ogni azione da te finora espletata e la risultanza, calcolata e progettata da loschi individui connessi ad un computiere. Il tuo unico scopo è intrattenere il volgo del mondo esterno tramite un passatempo malsano conosciuto come videogioco. Ah, c'est pas mal. Ergo i tuoi sforzi. È impossibile sfuggire al proprio fato. C'est pas mal fait. Là, j'avoue que c'est bien pensé. Allez, c'est parti pour Florence et on attaque Leonardo da Vinci. Désolé pour l'accent de merde, c'est pas grave. Oh, de l'eau. On peut circuler dans l'eau? Je pense que oui, bien évidemment. Nouvelle unité qui est un sapin. Quoi, j'ai pas compris. Alors, les unités volantes peuvent éclairer le terrain et appeler le tir de la catapulte du château automatiquement sur l'ennemi. Il y a un truc sur le château, là? Bon, on va essayer ça, vous savez quoi? On va essayer de faire ça... Où ça, là? Voilà, là, puis on va essayer de se mettre une mine peut-être. Oh, il a une belle mine. Une grosse mine. Je sais pas trop encore. Bon, je suis prêt en même temps, c'est pas grave, tant pis. On verra ça après. J'ai pas eu du temps là. Est-ce qu'on peut aller dans l'eau? Question. Super. Super. D'accord, ok. La merde. C'est la merde. Alors, je veux des clés, moi. Free kill. Voilà. On peut aller dans l'eau, mais ça éteint le feu, ce qui paraît logique. Ce qui va peut-être m'aider, parce que pour le coup, lui, il ne devrait pas réussir à arriver avec un truc en feu. Oula ! Carrément ! Soit. Ah, tout dégage. C'est très joli, en tout cas, très bien fait. Je sais pas où aller, en fait. Je sais pas du tout si c'est là, par là qu'il faut que j'aille. C'est pas par là qu'il faut que j'aille, visiblement. C'est pas par là qu'il faut que j'aille. Alors là, j'ai rien compris, la map. Ah, il y a une clé là en tout cas, je prends la clé bien évidemment. Je pense que le niveau va me gonfler un peu parce que c'est un peu hard, je sais pas par où aller. Par où il faut aller là? Faut aller par là? Ouais, faut aller par là je pense. Il y a un doigt, c'est bon. Moi j'ai une clé en plus, déjà ça. Voilà, j'ai tout pété, alors là c'est... Ça devient lamentable, avec l'eau on perd beaucoup de vitesse. Lui pendant ce temps il speed. Siffle si tu veux, mais... Donc là, il m'a défoncé bien ma porte, la vache. Ok, on va essayer de passer le mur là qu'il a fait de folie. Que je vais faire évidemment juste après. Oh la vache, ils sont construits. Enfin, du coup, ma boule a pris très très cher. Elle va bientôt se casser, se fissurer. Ah ouais, là il a un avantage. Là je suis pas bon là. Où est ma maison? Elle est là. Ce qu'on va faire, on va faire comme d'habitude. Parce que ça j'aime bien. Rangée de
catapultes normales, hein, on mettra des enflammés et tout ça. On commence déjà par des catapultes normales. Je vais essayer d'en mettre un peu plus devant. Je pense que je peux en mettre que deux. Bon, écoutez, ça devrait suffire. Voilà, 700 pour la boule renforcée. Est-ce que ma mine est encore là? Ma mine était pétée? Je sais pas. Ça, c'est toujours là, en tout cas, c'est actif. Par contre, ça voit que dalle. Donc, il a un avantage, parce qu'en plus, il démarre avant moi. Et ça, c'est pas bon signe. Je pense que je vais me galérer sur ce niveau. En même temps, jusque-là, c'était un peu facile aussi. Hein. Donc, on évite l'eau. Très bien pensé, le coup de l'eau, mais quand même un peu de chemin pour pouvoir traverser. Je cherche les clés aussi en même temps. Ouais, un coup, là, j'ai fait n'importe quoi. Il y a des mecs dans l'eau, là. Où c'est qu'elle a... Oh la vache. Toi, tu dégages. Là, j'ai pris un coup. Où sont les autres clés? Donc, je suis sur le bon chemin. Je ne suis pas perdu. Je ne suis pas perdu. Et bon. Évite de te fracasser, s'il te plaît. Est-ce qu'on a une clé qui traîne par là? Je vois une clé qui est à gauche, là. Là, ici. J'ai envie d'aller la chercher. Pour le fun. Voilà. On fait le tour. Et on revient directement ici. Voilà, comme ça, un peu plus de clés aussi. Comme ça, je n'aurai pas à les refaire parce que je ne vais pas repasser par là, je pense. Voilà. Ça ferait kill, ça ferait kill. Hop. Oh la vache. D'accord, ok. Il a tiré dessus. Oh la vache, c'est puissant mon truc. Hein. Et oh, on se calme. Free kill, la tire à ça là. Tu dégages. Je suis très mal, donc je vais la refaire, je pense. Mais c'est pas grave. Écoutez, c'est le jeu. Hein. Et j'en ferai peut-être avec vous, du coup. Alors, leurs tours là sont plutôt pas mal. Là. C'est quoi les tours là, c'est ça? On va en mettre aussi, hein, puisque t'aimes bien les tours, toi. Voilà. Voilà. Des grosses tours. Voilà, bah écoutez, on va tenter ça. A mon avis, ça ne va pas marcher. Mais sa défense était plutôt efficace. Donc je pense que quand je vais refaire la partie, puisque je vais perdre, je vais prévoir ça. De mettre des grosses tours là. Un mur de grosses tours en pierre. Comme ça, il va forcément être lent. Et puis les catapultes vont lui faire mal. Ce qui est le but. Donc lui, il démarre avant moi. On va essayer de foncer, mais c'est peut-être perdu. Hein, parce que déjà, j'ai perdu ma boule en feu là au départ. J'aurais dû la garder. On va essayer de couper un peu. Et parce qu'on peut maintenant se permettre de faire des trucs de fou, hein, vous avez vu? Le skill. Regardez ça. Ah non, trop tard. Raté. Il y a un truc qui siffle là. Ah oui, c'est un fameux hélicoptère que j'ai mis aussi, moi. Voilà. Évitons l'eau, ça nous ralentit beaucoup trop. Voilà. Évitons de toucher le bord aussi. J'ai eu deux clés sur les trois, c'est toujours ça. Je n'aurais pu les avoir. Voilà, c'est bon, ça marche. Ouais, si tu veux, siffle si tu veux, ça ne sert à rien. Oh là! C'est un espèce de tower défense, j'ai envie de dire, plateforme. Alors là, c'est le bordel, là. Pas possible. Bref, c'est pas grave. On va se prendre, voilà, on va friquer tout le monde. Je sais pas où il en est sur ma base. Ouais, je l'ai pas eu. Ouais, donc du coup, il va m'avoir, là. Faut pas rêver, hein. Même si j'ai des tours et tout. On va voir comment il fait ça. On regarde à droite en même temps, hein. Parce que là, je peux plus rien faire, hein. Ça sert à rien, voilà. Donc là, elle prend cher, mais ça va suffire pour me free kill. L'adversaire roule, bah ouais, mais il va m'avoir. Voilà, il est passé. Il est passé, donc là, il est tout seul face à la porte. Je pense que... Ah, il l'a eu. Donc c'est réglé. Voilà. C'était pas mal, mais c'est le coup de la flamme, la boule en flamme, là, je pense que j'ai mal géré ma défense, clairement, voilà, c'est fait. J'aime bien parce qu'il prend son élan à chaque fois de me free kill. Peut-être ce qu'on va faire, parce que là, je vois quand même qu'on a plus beaucoup de temps, peut-être qu'on va voir pour la prochaine vidéo, directement, refaire ce niveau, ce sera mieux pour vous, parce que sinon, je pense que la vidéo va dépasser, et je n'ai pas envie que ça dépasse les 20 minutes, tout simplement. Voilà, on laisse David s'y parler, et on va se laisser, tout simplement. Je suis l'architecte. Mais vous avez vu, hein, c'est la première fois qu'il parle dans le jeu. Enfin, qu'il y a quelqu'un qui parle. D'habitude, c'est des blabla, ouais, que j'adore, mais voilà. Bref, on s'en fout, on va se laisser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à laquelle tu t'es partagé, ainsi qu'à vous abonner si vous avez aimé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye!
con un bugiere.